Culture Média ouais. sur Europe 1, 9h-11h. Tout va bien aujourd'hui. J'étais pas sur le coup, j'ai l'impression. J'étais pas sur le coup. Avec Thomas Hill et votre invité Arthur Sanigou, réalisateur d'Un stupéfiant Noël, un film à voir sur Amazon. Et alors Arthur, vous êtes ici pour présenter ce film de Noël. Ça tombe bien parce que nous avons avec nous, figurez-vous, la reine de Noël, la seule, l'unique, Maria Taré. Oui, c'est moi, Maria the Christmas Queen. Ah, c'est ma chanson. Je suis Maria, je suis Maria, je suis Maria Taré. Comme les engueulades au dîner, tu peux pas m'éviter. Wouh, je suis Maria, je suis Maria, je suis Maria Taré. Je reviens chaque année comme une MST. Ah, c'est d'accord. Une jolie chanson de Noël à apprendre aux enfants éventuellement. Et en tout cas, on est tout de suite dans l'esprit de Noël. Vous devez avoir hâte hein, de voir le film Un stupéfiant Noël. J'imagine. Non, je vous dis la vérité, le film il a l'air chambé, mais j'ai comme qui dirait les boules et pas celles de Noël, si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Comment ça? Bah, c'est-à-dire Arthur que je suis désolée, mais à Noël, il y a de la place que pour une seule grande blonde, ok? Et c'est pas Ragnar. Noël, c'est ma fête. Tu aurais pu faire un film sur la Chandeleur. Ragnar, il sait mettre des tartes, il peut faire des crêpes. Mais enfin, Maria, calmez-vous quand même, un peu de respect. Personne peut me stopper, Thomas. Je suis ceinture noire de patinage artistique. Ah ouais, ça fait très très peur ça. Bah ouais, des gens en collant avec des objets contondants sous les chaussures, ça fait pas peur. Je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Donc juste, Ragnar, je sais que tu nous écoutes. Si t'essayes de me voler Noël, la vie de ma mère, on va à la patinoire la plus proche et je te démarre. C'est pas très esprit de Noël tout ça, Maria. Pardon, pardon, faut que je me remette dedans. Noël, c'est le moment de l'année où tu manges tellement qu'il faut te réanimer. Ouh. Et où tu dois écouter les blagues éclatées de ton oncle bourré. Pas mal. Elle est bipolaire un peu, Maria. Vous êtes pas de... C'est pas la même voix quand elle chante et quand elle parle. Ouais. Vous êtes indétrônable en tout cas. Vous serez toujours la reine de Noël, Maria. Ouais, c'est gentil, Thomas. Je dirais au Père Noël que vous êtes mon gars sûr. Peut-être qu'il vous apportera un nouveau camping-car. Non, mais bien. En vrai, Arthur, je suis trop sur les nerfs parce que c'est pas moi qui fais la BO du film. Voilà. Ah. Après, je sais pourquoi vous m'avez pas engagé. Ah oui, pourquoi? Bah oui, Éric Judor, Alex Lutz, Philippe Lachaud, vous avez pris des petits jeunes qui démarrent. Moi, je suis une star. Je coûte trop cher. Ah oui, ça doit être ça, certainement, oui. Ouais. Bon, je veux bien enterrer la hache en plastique qui décore la bûche de Noël de guerre. À condition, Arthur, que vous réalisiez le clip de mon featuring avec Ragnar. Vous voulez écouter? Ouais. Vous êtes chaud? Ouais. Il est pas chaud, chaud. Il est pas. Non, il est poli. Je ne veux pas de dindon marron et pas non plus de foie gras. Je veux travailler ma musculation avec un champion de MMA. Je ne veux pas faire de bisous, mais boxer comme un kangourou. Apprends-moi le kung fu. Je veux mettre des coups de genoux. C'est magnifique. Pas mal, hein. Merci Maria Taré qu'on peut applaudir. Ouais, joyeux Noël à Cécile Marx qui joue tous les mercredis soirs au Théâtre Beau Saint-Martin à Paris. Quelle voix Cécile. Vous nous régalez chaque semaine dans cette émission. Puis on a la chanson dans la tête. Merci. C'est toujours un vocal.